lors de la cinquième journée de la saison 2019-2020 avec la victoire. Avec presque un ballon perdu pour commencer le match. Et le shoot, le premier pour Warren. Et vous voyez, hein. Et il est tout seul, extra passe, c'est ça bien. Ça tourne bien, ça tourne très très bien et c'est Warren à l'arrivée. Ah, on aime, on aime, on aime. Le collectif de Nanterre avec un sur la ligne à 3 points notamment. En échec avec Warren. Allez, Isaiah pour marquer, tête c'est de le premier point. Et Warren, toujours défendu par l'activité, l'hyperactivité on va dire de Gauzin. Et par contre là, la vitesse de Warren qui fait la différence aussi. Et chercher pourquoi pas une première victoire à domicile, une première victoire cette saison tout court pour le Champagne Basket. Eux qui jouent seulement leur deuxième rencontre de la saison. Warren, le catch and shoot qui paye. Et Beral Meskel, c'est pas les plus physiques, c'est... Ah, yes, oh, l'hésitation. Il y a un gars qui est resté dans les airs pendant que Conklin va conclure. Ouais, Velika, il est resté. Velika qui avait eu beaucoup de mal dans l'utilisation des pics. Ce soir, très saignant, très juste dans ses choix. Aïe, aïe, aïe. Ah, à ce moment-là, on ne peut plus faire de faute maintenant, malheureusement, pour Champagne Basket. Et surtout pas encaisser le panier avec Chris Warren. Oh là là, Speedy Gonzalez.